Lors de cette 22e journée, Lille s'est imposé 3 buts à 1 face à Orléans. Le premier but, il est inscrit par Benzia à la 26e. Lille mène 1-0. Il va même s'offrir un triplé, le premier de sa carrière, 44e et 59e minute. Livio Labab s'offre son but. Orléans est battu 3 buts à 1 et voit peut-être le podium s'éloigner. Le PSG lui s'impose sans grand problème face à Reims, victoire 4 à 0. Le premier but est inscrit par Lavezzi, qui va quitter le club lors du mois prochain. Il aura peut-être marqué son dernier but à la 26e. 2 à 0 grâce à un doublé de Zlatan. Déjà 14 réalisations pour lui cette saison. À la 29e et 44e, Lucas inscrit le dernier but à la 49e. Victoire 2-0, plutôt 4-0 du PSG. L'AS Monaco s'impose 2-0 face à Bastia. Jemerson à la 26e, puis Glick à la 49e. Score final 2-0. Monaco est 9e, plutôt 8e, puisque là, voilà, perdu. Bastia n'est plus relégable malgré sa défaite. Match fou entre Saint-Étienne et Lens. Les Lensois marquent en premier grâce à Chavaria à la 29e. Saint-Étienne répond grâce à Kevin Money-Paquet à la 44e, puis prend l'avantage à la 56e. Saint-Étienne ne va pas va abdiquer. Puis Lens va revenir dans la partie. Deux buts de Bourigeaud au 79e et 89e. Mais Saint-Étienne égalise grâce à un corner à la 90e. Score final, 3 buts partout entre les deux équipes. Un seul but lors de ce Guingamp-Laval, il est l'œuvre de Rachida Alioui. Plutôt refusé puisque c'est finalement Guingamp qui va s'imposer. Brillant à la 59e. Victoire des Guingampiens 1-0 qui sont 14e avec 20 points. Laval est 9e, 27 points. C'est une jolie performance pour le premier Lavallois. Le FC Lorient s'est donc imposé 1-0 face à Valenciennes grâce à un but de Moukandjo. Les Lorientais sont 5e, Valenciennes est 11e. Le FC Metz et le FC Nantes se séparent sur un score de 1 but partout. Pourtant, Metz ouvre le score grâce à Niem Bakoto. Troisième but de la saison pour Yeni. Ensuite, Nantes parvient à égaliser grâce à Rongier. Score final, un but partout entre les deux équipes. Le FC Metz se retrouve en position de 7e, le FC Nantes en position de relégable. Toulouse s'impose bien 2-0 face à Sochaux. Ben Yedder, 29e et 44e. Les Toulousains sont 12e, le FC Sochaux 13e du classement. Et enfin, Evian Thonon-Gaillard fait match nul face à l'AS Ajaccio. Pourtant, les Evianais étaient menés à cause d'un but de Cavani, 10e but de la saison. Mais Evian est parvenu à égaliser grâce au vétéran Cédric Barbosa. Score final, un peu partout. Presque 23 buts inscrits lors de ces journées avec un match nul spectaculaire, 3 buts partout entre Saint-Étienne et le Racing Club de Lens. Le PSG est toujours leader avec 67 points. L'AS Ajaccio occupe la deuxième place. Le Gazélec est troisième. Orléans est quatrième. Et la distance entre le premier et le dixième du classement est énorme. 42 points d'écart déjà à ce stade de la saison. Valenciennes est onzième du classement. De la 16e à la 17e place. Rien n'est joué. Même voire jusqu'à la dernière. La 23e journée qui démarre ce soir, Ajaccio reçoit Toulouse, Lens reçoit le Racing, plutôt Lens, le Racing Club de Lens reçoit le PSG, Monaco reçoit Saint-Étienne.